Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour tester le jeu Black Ops 6 ensemble. On va faire le mode campagne et le mode zombie pour voir un peu le gameplay. Mais là, dans cette vidéo, ça va être le mode zombie. Je tiens à vous dire que... Soyez généreux parce que je suis pas du tout jeu FPS et je suis pas très fort. Je suis quand même plus fort en VR. Donc soyez gentils dans les commentaires parce que je suis vraiment nul. Donc on va essayer le mode zombie. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à Warzone ou à un jeu d'FPS. Et on va sélectionner la mission. Compris, voilà, hop, et on y va. Et on va tester le mode zombie. Moi, je vais en solo. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, on va voir ça. Terminus. On va prendre celui-là et c'est parti. Je vous laisse voir la petite cinématique et on continue après. Je veux savoir qui tu es. Voici Maya. Elle est avec moi. C'est moi qui ai eu l'idée de vous libérer. Alors y a pas de quoi. Beck, espèce de connard! T'étais censé être mort. Du calme, Major Carver. On a tous ici un ennemi en commun. Le type qui vous a enfermé. Le type qui... a volé l'œuvre de ma vie. Edward Richthofen. Ça vous dirait qu'on aille le tuer ensemble, hein? Attention, information. Allez, on se barre d'ici. C'était pas notre accord. On ira nulle part tant qu'on n'aura pas mon frère. Écoutez, il va me falloir un peu de temps pour démarrer leur hélico. Et on lui doit bien ça. Ok, Raptor 1. Localisez l'héliport. Beck, Strauss, tairez-vous dans le poste de garde. Il me faut les coordonnées de Richthofen. Rétablis le courant, puis on part à la recherche de son frère. Bon, on est parti, commencez la mission. Alors, modifiez vos armes, je sais pas comment ça fonctionne. Je suis pas un gars de Call of. Pourquoi j'arrive pas à recharge de partie. Ah ouais, ça commence en attente. Ça commence. Donc si vous souhaitez jouer avec moi à Black Ops 6, n'hésitez pas à mettre votre identifiant en commentaire. Comme ça, je vais pouvoir vous ajouter. Ah, ça va commencer. Donc là, ça va être un peu chaotique, mais je pense que ouais, le jeu, je vais le garder, je vais pas demander le remboursement et je vais m'entraîner dessus. S'il est vraiment aussi bien que j'en dise. Alors, zombie par manche. En plus, je joue avec la manette PS5 DualSense pour les vibrations et tout. Alors, conseils. Alors là, des conseils, j'en ai besoin. Ah merde, j'ai pas eu le temps de lire. Donc, on y va. Wouah! Mais il y en a partout! Ah, en plus, le pire, c'est que moi, j'avais jamais pu faire le. Wouah! Laissez-moi
le temps d'y aller. Ça fait un... Enfin, j'ai jamais joué au mode zombie, moi, sur PS3. Et franchement, il a l'air pas mal, le mode zombie. Alors que sur PS3, j'ai pas pu jouer à Call of... faut que je reste concentré, déjà que je suis pas fort. Comme je disais, j'ai pas pu jouer à... Au Black... Non, c'est pas Black Ops. Tu vois, je suis en train de dire de la merde. C'est... Moi, si c'est... J'ai pas envie de dire n'importe quoi. On voit le gars qui connaît même pas le jeu qu'il teste. Ouais, si c'est Black Ops. Donc, comme je disais, j'ai pas pu jouer au Black Ops sur PS3 qui a marqué tant les esprits. Et rien que quand je vois ce mode zombie là, je me dis que c'est vraiment pas mal. Mais le problème, c'est que j'ai peur. J'aime pas les. Ouais, j'ai peur des trucs comme ça là. Je sais pas si je vais rester. Si je vais être capable de jouer longtemps. C'est quoi ça? Je crois que c'était une main. Mais franchement, le mode zombie, il est pas mal. J'en ai vu des labos secrets. Et croyez-moi, c'est pas pour rien qu'on les installe en dans toute civilisation. Ça me rassure de voir que même un idiot comme vous est capable de comprendre... Non, j'ai gaspillé une grenade. Mais qu'est-ce que je... Putain, bon. Il y en a pas pour attraper l'autre. Vous ne tiendrez pas 5 secondes dans un vrai combat. Ils sont combien là? Bon les gars, je vais fuir. Allez, dans ce coup. Ah non, en fait, j'ai trop peur des trucs comme ça, c'est un... Oh lolo. J'ai trop peur des trucs comme ça. Et comment je vais jouer à Métro en VR? Parce que là, en Métro en VR, je vais voir ça, mais comme si j'étais dedans. Je sais pas comment je vais faire. Hein. Bon, il faut aller là-bas. Timothy est impliqué là-dedans. Alors, Christophe a encore moins de scrupules que je ne le pensais. Ouais! Mais ils sont dedans! Alerte, alerte! C'est pas de grenade! Mais franchement, le mode zombie il est bien, mais hey, ça fait trop peur! Et je suis mort. Et je suis mort, voilà. C'était sûr, c'était sûr. Ça faisait clairement pas partie du plan, ça. C'était sûr. On met un petit stab quand même. Pour qu'on puisse bien voir mon score pas terrible. Donc voilà, on a testé le gameplay du mode zombie ensemble. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de jouer avec des potes qui sont forts parce que malheureusement... Bah, je suis pas fort, moi, je vais pas faire le mec, mais au moins, ça vous montre un peu le gameplay du mode zombie. Donc voilà, du zombie par manche plutôt. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus !